Et bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la troisième partie de la vidéo des meilleurs concepts fan art de foot de rue et foot de rue extrême. Il y aura les deux mélangés. La première vidéo vous a pas mal plu et moi aussi elle m'a plu. Elle est sortie à peu près 6 mois. Commencez la vidéo, n'hésitez pas à liker, de vous abonner. Si vous faites des dessins, vous pouvez me les envoyer si vous voulez, évidemment, sur mon Insta que je mets en description. Ou sinon, vous mettez sur je ne sais où, mais si vous faites des dessins fou de rue, envoyez-les. Hein. C'est bien. Je vous passe la question du jour et ensuite on commence la vidéo. Alors, ce dessin, pareil, je sais pas qui l'a fait, s'il a marqué mal l'image pour, de Michael. Bah, en fait, moi, je vois mal, parce que c'est pas la même photo que vous avez sur l'écran. Mais en tout cas, bah, j'ai déjà celui qui l'a fait, même si je pense qu'il fera pas la vidéo. Ce style de dessin, c'est pas trop mon style, mais il est quand même plutôt stylé. Moi, j'aime bien, parce que du coup, c'est Ben que j'aime bien. Et le capitaine des vampires de la cité, un personnage qu'on voit pas beaucoup. Donc je suis assez étonné de le voir en dessin. Mais du coup le dessin est plutôt stylé, voilà, c'est pas trop mon style, mais j'aime quand même bien. Et Ben il est trop stylé. Avec la petite cicatrice sur son œil, ses yeux vraiment vénères, un peu fermés. Et puis même le vampire, il est trop bien fait. Sa petite coupe là, sa bouche de vampire, la bouche, elle est réelle, on dirait. Enfin bref, le dessin est d'une qualité monumentale. On continue avec ce dessin, pareil, je ne sais pas, il est fait par qui, mais il est incroyable, déjà le fond. Il a dessiné un décor, carrément, avec voilà les petites maisons, petites ruelles, un petit parc, petit banc et tout. Et du coup, il y a Tag et Gabriel, les meilleurs amis, qui sont assis sur un banc, et c'est très stylé. Voilà, on a Tag, la petite coupe, voilà, bon, le visage n'est pas très ressemblant, mais c'est pas grave. On dirait qu'il est en claquette, même si je pense que c'est un truc d'ombre. Et puis là, le ballon et tout. Et puis à côté, il y a Tag avec Gabriel avec ses cheveux, ses petites lunettes. Petite pose un peu bizarre, mais voilà. Enfin bref, il est ultra stylé. On continue avec ce dessin qui est très bizarre. J'étais choqué quand je l'ai vu, mais du coup, c'est Requin et Héloïse qui sont sur un bateau au plein milieu de la mer devant un beau ciel. Mais en gros, ce qui est incroyable, donc il y a Héloïse hein, qui est incroyable, petites chaussures bleues, petit pantalon troué, grosse veste noire, bon, même le t-shirt est noir, donc ça fait un peu bizarre. Sa petite coupe toujours, une petite coupe de champagne. Mais par contre, Requin version fille, qui a eu cette idée de faire ça? Oui, du coup, c'était fait par Elmax, donc j'ai déjà lui, mais... Requin avec une coupe bizarre, en train de se maquiller, une robe... des talons, enfin, c'est un peu bizarre, mais même elle a des gros jambes. Mais bref, le dessin m'a quand même fait marrer, il est quand même bien dessiné, mais c'est un peu étrange. N'oublie pas évidemment de me dire en commentaire vos dessins préférés, vos notes, bah, dites-moi tout en commentaire. Et puis on continue par un dessin d'une personne que je ne connais pas, il n'y a pas la source, mais du coup ultra stylé le dessin. Déjà le petit fond avec le mur un peu cassé, il y a des fissures, il y a des tags, ça fait un peu la rue comme dans foot de rue, c'est marrant. Et puis on a un beau dessin de Jérémy de la saison 4, donc c'est à dire qu'il a été fait récemment un peu le dessin, et puis très stylé, voilà. Enfin bref, c'est Jérémy de la saison 4 avec les petits cheveux, enfin il n'a pas trop cette coupe, mais je trouve que cette coupe lui va bien. Petite boucle d'oreille, je suis pas sûr qu'elle a des boucles d'oreilles, mais après c'est pas grave. Le visage est très bien fait, le doigt d'honneur un peu bizarre, même les doigts sont un peu bizarres, mais bon, je vais rien dire. Mais après le dessin est très très bien dessiné dans l'ensemble, c'est incroyable. Alors, les prochains dessins vont commencer à être d'un niveau incroyable. On commence par ce dessin créé par Mika-kun, c'est un des plus beaux dessins que j'ai vu de ma vie. La qualité est incroyable, le petit fond, les joues sur de l'eau, on voit un fond de ville là-haut, une belle lune, un beau ciel noir obscur, on dirait Blue Lock, pour ceux qui connaissent un peu le visage, les caractères et tout, on dirait un peu Blue Lock, mais du coup on voit Tag et Ben qui font une petite confrontation de football
sur l'eau. Mais c'est incroyable la qualité, un peu le dégradé violet, bleu, noir. Puis même le regard obscur de Ben, il est super bien dessiné, mais surtout Tag. On dirait sa langue un peu qui penche, même son regard, comme il fait peur si vous zoomez dessus. Parce que oui, sur YouTube, maintenant on peut zoomer. Du coup, là, si vous voulez, vous pouvez zoomer sur les images pour mieux voir. Mais vraiment, le dessin est juste incroyable. Et je pense qu'actuellement, c'est votre préféré. On continue par ce dessin qui va vous faire pleurer. Alors, je sais pas, il a été fait par qui. Je sais qu'il y a une signature, mais j'arrive pas à lire parce que je suis myope. Voilà, l'excuse de nul. Le dessin est incroyable. Donc, ils sont sur une plage. Il y a de l'eau en face, un ciel qui commence à se coucher. Et puis, du coup, il y a Ben et Tag, les meilleurs amis, entre guillemets. Hein. Et voilà, ils sont assis sur une plage. Ils regardent la mer et tout. Ils regardent au loin. Et en fait, je trouve ça incroyable parce que ça montre un peu leur amitié. Et ça fait un peu, on dirait un peu la fin de Foot de rue. Enfin, un dessin qui fait pleurer tout le monde. Et je trouve ça grave stylé. Je l'ai même mis en bannière de ma chaîne YouTube. Mais trop stylé, vraiment le dessin d'une qualité exceptionnelle. Bon, ce dessin était un peu moins impressionnant des autres, mais il est quand même stylé. Pareil, la petite plage. Voilà, la petite eau avec comment ça s'appelle, des bateaux, un ciel, des mouettes et tout. Enfin bref, très stylé, mais du coup, c'est un peu la suite. Tout à l'heure, on voyait Tag et Ben sur la plage, et maintenant ils sont levés. Non, enfin, c'est plutôt l'inverse, parce que là, le ciel il est bleu et tout à l'heure il était couché. C'est pas trop près, mais bref, on s'en fout. Le dessin est très stylé. Voilà, ils sont très bien dessinés, mais ce que j'aime bien, c'est un peu le style un peu plus cartoon mignon. Avec les petits cœurs là à côté de Ben, le petit clin d'œil, les yeux, les expressions, les petits trucs, les petits traits jaunes, enfin bref, moi je l'ai trouvé assez cool le dessin. Je l'aime vraiment bien. Donc très 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 beau dessin. Alors, dessin suivant, assez incroyable, j'ai pas compris, mais si vous voulez, le dessin est incroyable, donc c'est toute l'équipe des Bleus entière. Tous les membres des Bleus, ils sont dans une salle et du coup on voit. On voit du coup Héloïse en train de crier sur un micro, je sais pas quoi. À côté, à droite, on voit Samira en train de prier, ou je sais pas ce qu'elle fait. Après, on voit Jérémy par terre, je sais pas, il joue au Monopoly, là. Ils ont perdu, donc ils ont ragé, ou je sais pas quoi. En train de faire l'imbécile, on a les technos, on a avec leurs lunettes, ils jettent de la monnaie. T'as Gabriel qui est en train de rager, et ses lunettes qui volent. T'as qui est en prison, enfin bref, je trouve ça assez marrant, assez drôle. Je pense qu'ils ont fait une partie de Monopoly. Les technos ont gagné, du coup, bah, ils font voler tout leur argent. Gabriel, lui, il rage, enfin bref, je sais pas trop, mais c'est assez marrant comme dessin et je le trouve vraiment stylé. Bon, la vidéo est un peu longue, mais on continue, enfin non, on finit avec cette vidéo qui est incroyable. C'est la plus belle animation et la plus belle, le plus beau fan art que j'ai jamais vu de ma vie. Et pour l'instant, c'est le numéro 1 des deux vidéos. C'est du coup une petite vidéo de quelques secondes. Je ne sais pas, elle a été faite par qui, mais c'est un champion celui qui l'a fait. Et donc, déjà, la qualité est incroyable, l'animation est incroyable. Et donc, on voit Tag et Loïs qui sont au bord d'une route sur la mer. On entend le bruit des mouettes, le bruit est incroyable. Et puis, le dessin est incroyable, l'animation. Je suis choqué. C'est trop stylé. Le mec a fait ça. S'il regarde ma vidéo, commente. C'est incroyable. Je suis choqué de ceci. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça dure quelques secondes. C'est pas impressionnant. Mais c'est quand même stylé. Et puis, du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, de vous abonner, d'aller voir tous les réseaux. Et puis, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.